On la tourne. Là, t'es à l'aise? Oui. Allez. Un, full take. Full take. Moteur. Ça tourne. Allez. Silence. Ça tourne. Action. Mesdames et messieurs les ministres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés du Parlement. Mais quand il s'agit de la sidérurgie, il n'y a plus personne. C'est mort. Vous serez responsables, vous, les politiques en charge de dossier, capables de trancher dans les dépenses publiques, de détricoter les comptes sociaux et incapables de prendre vos responsabilités d'homme d'État pour la sidérurgie. Honte à nous de ne pas avoir été capable de vous faire changer d'avis. Merci. Coupé. Coupé. C'était la mieux. Coupé. Coupé. Formidable. C'est coupé. On garde le silence entre les prises, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc il faut cercler les deux, ouais. En fonction de ce que je viens de dire. On va quand même la refaire maintenant. Ouais. Okay. C'est évident que c'est bon. C'est mieux parce que pour eux, en fait, fondamentalement, ça vu qu'on l'a. Non, le maximum de 2 minutes, tout à fait. Ouais. Ouais, 200. Non, c'est plus 40 peut-être. Non, c'est mais là, ça dépend. Ça dépend. Là, c'est un speech là, qu'à un moment. Léo, on est bon ? Impressionne. Let's go. It's a very heroic shot. C'est le bon côté. Tandis que t'es souvent par là-bas, c'était le bon plan. C'est très bon. Belle journée, mais en pire. Je fais ok. Donc, c'est fini le travelling. Ah, ouais. Et le drapeau, c'est bien un petit peu plus que je mets. Il faut que je mange un truc. C'est pas possible. Se tourne un film. Nous allons retrouver l'un des plus grands acteurs belges du moment, Jérémy Régnier, en compagnie de son réalisateur, Stéphane Tricker et Gilda Slegac. On les écoute tout de suite nous parler du tournage en cours. Privé de bouffe. Le fret. Moi, j'ai que des moules. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu tourner en Belgique, Jérémy. Alors vous êtes, je vous retrouve là, au cœur de la démocratie belge, jouant un homme politique. Ça fait quoi là de revêtir ce costume au cœur de ce endroit historique, politique, vivant? Ce que ça fait, non, c'est très intéressant. Mais c'est surtout de rencontrer Stéphane dans son travail, de faire ce film ensemble, de raconter une histoire ensemble. En fait, on peut vraiment dire de Jérémy deux choses qui s'opposent. C'est un acteur incroyablement instinctif et incroyablement technique. Et quand on a un acteur qui a les deux, c'est un cadeau pour un réalisateur. Vous savez, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Hormis le suivre, j'ai pas grand-chose à lui dire. On est là pour rencontrer aujourd'hui, pendant deux jours, ceux qui font... Ils sont bons pour les deux. Ceux qui font... Un homme, un ouvrier, un métallo, un père de famille, a choisi de prendre la seule décision irrévocable dans une vie. Il s'est donné la mort. André Valentin travaillait pour ArcelorMittal. On aurait pu éviter ce drame, on aurait dû.